for our last session, Sheikh Mehdi Terkawi will provide a message to the youth. So Sheikh Mehdi Terkawi is a graduate of Al-Azhar. He has been living in Montreal since 2012 and has been the Imam of Al-Rawda Mosque. He's involved in a lot of interfaith dialogue in Quebec and has also been a big proponent for youth engagement. Alors, diplômé de l'Azhar, Cheikh Mehdi Terkawi vit à Montréal depuis 2012 et il est l'imam de la mosquée Al-Rawda. Il participe à de nombreux dialogues interreligieux ou interconfessionnels au Québec et il était également un grand partisan de l'engagement des jeunes. Alors, ce n'est pas étonnant que son discours adressera les jeunes. Maintenant, je donne la parole à l'imam Mehdi Terkawi. Je pense que tu unmutes. Oui, un jeune qui fait cette erreur avec la technologie. Alors, oui, jazakallahu khayran, jazakumullahu khayran kathira à tout un chacun, barakallahu fikum. Je disais donc oui, le message sera adressé aux jeunes. Et tout à l'heure, dans les noms, j'ai vu Abdelrahman Daboussi. Alors, c'est à toi et la tranche d'âge que je m'adresse en particulier. Et puis, ça peut être un message généralisé aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est de partager trois points. Et après, faire un commentaire sur une des questions qui avait été posée par rapport aux réseaux sociaux, Inch'Allah. Alors, je pense que dans cette difficulté, pour qu'on en arrive à trouver les facilités et les opportunités, il faut déjà se mettre dans une ambiance de sérénité. Et alhamdoulilah, en tant que croyant, on a cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout miséricordieux, celui qui est miséricordieux à l'infini, qui ne cesse de nous protéger, de nous accompagner. Et donc, en prière, avec les du'as, avec le dhikr, avec le Coran, on va se reconnecter à lui subhanahu wa ta'ala. Et dans cette relation-là, intime, on va trouver cette sérénité, cette paix, une confiance en soi pour ensuite trouver derrière les difficultés de nombreuses opportunités, de nombreux, on peut mettre en place des solutions, mettre en place des actions qui font le changement positif. Donc, premier message, c'est de mettre l'accent sur notre spiritualité. Et pour être concret, ce que j'invite tout un chacun, et moi le premier, c'est de s'assurer qu'à la maison, il y ait un lieu dédié à la spiritualité, ce qu'on appelle Masjid el-Bayt, Masajid el-Buyut, ou un moussalla, un lieu de prière, un lieu propice à la méditation, au calme, à la connexion avec Allah Azza wa Jal, à la maison. Ce lieu-là, c'est aussi important, c'est le deuxième conseil concret pour la spiritualité, de mettre en place une routine matinale, spirituelle, de s'assurer qu'on prie ensemble en famille Salat al-Fajr et peut-être qu'on se réveille avant Salat al-Fajr et qu'on mette en place une routine qui va inclure du dhikr, des du'as, du Coran, de la méditation, du tafakkur. Premier message, donc, la spiritualité. Deuxième message, c'est le temps. Le temps, c'est notre bien le plus cher. Al-waqtuhu al-haya. Le temps, c'est la vie. Et si on gère bien ce temps-là, ça nous donne l'éternité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le plus grand bonheur, le plus grand bonheur, la plus grande béatitude. Et c'est très intéressant de voir la sourate qui nous parle du temps, qui est d'ailleurs une sourate très courte, comme pour nous dire qu'on la lit vite. Sourate al-Asr a une signification très intéressante que je vous partage. Al-Asr, ça signifie le temps. Il y a plusieurs interprétations sur ce qu'elle signifie. Et elle signifie aussi le fait de presser quelque chose. Comme en arabe, on parle de jus en disant Al-Asir. Donc, on fait sortir le nectar, le jus d'un fruit en le pressant. Et c'est comme pour nous dire deux choses. La condition de l'être humain, Inna al-insana lafi khusr, la condition de l'être humain, c'est qu'il est pressé par le temps. Mais l'insan, s'il arrive à mettre en place les quatre qualités qui sont citées, Aman wa amilu salihat, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, eh bien, cette pression du temps va lui permettre de faire jaillir ce qu'il a de meilleur, lui permettre d'aller à son plein potentiel. Et donc, c'est un message. Là, on est chez nous, il y en a qui n'ont pas les contraintes de l'école ou le travail. Il faut profiter de ce temps.
On sera questionné dessus, sur notre jeunesse, ce qu'on a fait d'elle, sur notre temps, comment on l'a passé. Et donc, soyons de ceux qui ont ces quatre qualités citées dans Sourate Al-Asr pour donner le meilleur de ce qu'on a, Inch'Allah. Troisième et dernier message, c'est la famille. La famille. Parfois, très tristement, on vit ensemble dans un même lieu, mais plus en tant que colocataire qu'en tant que famille soudée qui s'aime, se chérit, et puis où il y a une dynamique, une ambiance qui est positive. Et là, on a cette occasion, puisqu'on se retrouve entre nous, de manière, genre, on est confinés ensemble, il faut s'assurer qu'on soit auprès de notre famille, des êtres agréables, souriants, qui répondent à la demande des autres, qui ont cette empathie, cette sensibilité pour celui qui est avec nous, donner du temps de qualité pour être ensemble. Et pour être concret, là aussi, une chose qui pourrait être faite, c'est de mettre en place des halaqas. On a parlé de la mosquée dans la maison, et mettre en place des halaqas, notamment des assises autour du Coran. Majalis, c'est le Coran, qu'on va rentrer dans le mois du Coran. Et donc, on peut, Inch'Allah, mettre en place ces activités. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour nous le Coran. Il est très accessible. « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ » Donc, on fait des réunions, un cercle, on lit ensemble. Il y en a un qui prend cette responsabilité de le comprendre, de nous donner une compréhension de base. Et ensuite, on s'en va vers la contemplation, la méditation, à s'interroger. J'ai compris le sens de ce passage. Maintenant, à quoi est-ce qu'il va me servir dans mon quotidien? Lorsque je vais me retrouver dans telle situation dans ma vie, comment est-ce que je vais aller puiser de ce passage-là un principe, une valeur, un sens que je vais donner pour répondre à ce à quoi je fais face? Voilà donc les trois messages brièvement. Donc, une connexion avec la spiritualité qui est plus grande, le temps, faire attention et donner grâce à ce temps le meilleur de ce qu'on a. Et puis, la famille avec des assises comme ça autour du Coran. Je rajoute un dernier point. C'était une question qui avait été posée par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je me suis dit, il y a quatre choses qu'on peut mettre en place. La première, c'est sur les réseaux sociaux, le problème des fois, c'est qu'on est passif et on est en train de scroll et puis notre esprit n'est même plus là. Donc, premier message, c'est au lieu d'être consommateur, c'est d'être actif. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de partager beaucoup de choses et donc de faire de soi un média qui transmet au moins à son groupe, qui transmet des messages positifs, qui transmet, si elle transmet des informations, elle s'assure de l'exactitude, que ça va faire du bien à ceux qui le reçoivent et que ça va les pousser à aller de l'avant. Donc, si on consomme, c'est normal, mais consommer intelligemment. On suit les personnes qui méritent d'être suivies. Il y a beaucoup de chouyours là qui font des messages très intéressants, qui ont ouvert plein de lives. Les instituts ont ouvert leurs écoles gratuitement. On peut trouver beaucoup, beaucoup de profiter énormément des réseaux sociaux et d'Internet en général. Troisièmement, dans la famille, créer des alternatives au lieu d'interdire les réseaux sociaux, c'est de leur proposer déjà des alternatives. Et enfin, on peut se permettre dans la famille de mettre des restrictions, de garder le téléphone à telle heure, de couper le Wi-Fi à telle heure. Ça peut être une solution. Voilà. Jazakumullah khairan kathira. Ok, merci beaucoup, Cheikh Mehdi Zarkawi. Thank you so much for this insightful talk. So I'll be doing a quick, very brief translation. So Sheikh Mehdi talked about three main points. The first one being about spirituality. In this home isolation, we need to find serenity by saying Alhamdulillah. And by finding it, we find a tranquil spirit and that can see opportunities in these challenges. So the type of opportunity that he's talking about in these difficult times is the time that you will have to find your spirituality. We are right now approaching Ramadan, so we want to be able to take action on that. So whether it be making a prayer space at home to get used to, or to making time to spend with your family, which relates to the next point.
So really focusing on the spirituality aspect right now with the Ramadan being so close. The second point that he talked about was time. Time is really of the essence at this point. We have to be really careful of it. And it's actually an amen, it's a responsibility. Time is life. He mentioned Surah Al-Asr and says that within it, it says that humans are always pressured for time. And so if humans can actually respect the qualities of a good, righteous person, they're able to use that time effectively to give their best self forward. So time actually puts pressure on the person to be able to provide, the best qualities, best services, the same way that if pressure is put on a fruit, it provides the juice from it. At the end of the day, we will be asked about our time and we are responsible for it. The third point that Sheikh Mahdi talked about was family and the importance of family. When we're young, we tend to think more of our friends, our independence, what we're going to do, our careers and so forth. But we actually need to take that time to also focus on, creating that close-knit family. We need to be gentle toward each other. We need to be kind. We need to sit together, create that halaqa, the circle time, Quran time, halaqa time, whatever it may be, in order to get closer to each other and get closer to Allah as the month of Ramadan also gets closer to us. All right, and the last part was he was talking about, screen time and, social networks and such. We are very passive individuals, and sometimes we just tend to scroll. So instead of being the consumer, we should actually be the people of action. So why not do some kind of campaign in this time, participate, volunteer, find ways to be able to contribute. Another thing is because screen time is increasing, we need to find alternatives for that. So families might, decide to come together and figure out different ways to spend time together instead of everybody being, on their own screens at their own time individually without really interacting with each other. The other thing you can do is to put restrictions on screen time use, and that will allow for better productive time, inshallah. All right. I'm just going to see if there are any questions from the audience in that regard. We have one here. So a lot of students, this is for Sheikh Mahdi, a lot of students feel anxiety about what is going to happen, especially with the disruption of studies and with work. What is your advice? Ça rejoint d'un côté le premier point que je mentionnais, c'est quand on a de l'anxiété, c'est en se connectant, en se reconnectant davantage avec Allah Azza wa Jal qu'on arrive à trouver un cœur apaisé et ensuite avoir l'esprit ouvert, la réflexion, elle peut être menée pour trouver des solutions. Les solutions, elles sont très nombreuses. Combien de personnes croient que tout s'arrête, mais quand ils trouvent une sérénité, ils se rendent compte que ce n'est que le début. On ne fait que commencer une nouvelle carrière, on ne fait que commencer à mettre le focus sur des passions qu'on n'avait pas. Juste tout à l'heure, il y avait avec ma femme, on parlait avec une sœur de la communauté qui disait cela. Genre, ça lui a permis finalement d'annuler ses études pour reprendre quelque chose qu'elle voulait entreprendre depuis longtemps. Donc, un cœur serein, trouver des solutions et se créer les alternatives, Inch'Allah, Dieu soutient toute personne qui fait un pas vers lui, qui lève les mains pour l'implorer. All right, I'm going to quickly translate that. So when we have anxiety, basically we need to reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala through spirituality. And when we find that serenity, we find that it is only the beginning. So it's the beginning of, different projects that you're able to work on. So he was actually saying that he was speaking, him and his wife were talking, and that they were talking about a situation that happened where a sister, now with everything being on hold, is now able to focus on other projects that she was very passionate about. So even in these times where there is anxiety, we just kind of take a break and we try to find solutions to be able to balance that journey through work, through school, through these things. And it's also a time to be able to shift maybe our attentions to other things, that other talents, other skills that we can also
will work on. Okay, I'm just going to see if we have another question. So question is, comment les jeunes peuvent-ils rester en bonne santé, en forme? So how would youth stay in good shape and in form, in physical fitness form, during these times, especially with not being able to go outside? Comme tout à l'heure on mentionnait, il y a plusieurs instituts qui ont ouvert leurs portes gratuitement, et puis il y a beaucoup de savants qui se sont donnés encore plus en ligne. Mais la même chose s'est faite pour tous ceux qui sont dans le monde du sport et physique. Vous avez déjà à la base énormément de programmes qui sont ouverts à partir de vos téléphones, etc. Vous avez des gens qui font des lives chaque jour à telle heure pour faire des programmes sportifs. Inch'Allah, c'est accessible. On est dans un monde là où on met beaucoup l'accent sur le corps, la santé, le physique. Donc, je ne pense pas que c'est un problème pour trouver des opportunités. Sport sans matériel, muscu sans matériel, à la maison, tout ça, c'est accessible. OK. Merci, Cher. So for translation, what he's saying is that the same way that other organizations have found a way to connect virtually, the same way that it goes with the sports world and the athletics world, where there's now tons of videos being posted online to be able to follow. And there's just so many things that are actually now be accessible online. And actually, just kind of a little side thing, actually, my husband and I did a mini workout today following the Raptors trainer, which was kind of, he had like a mini workout, so we thought we'd do it at home together. So there's always different ways to be able to access these kinds of resources. All right.